Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les angles opposés par le sommet. Alors on dit que deux angles sont opposés par le sommet s'ils sont formés à l'aide de l'intersection de deux droites. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les angles GEC en bleu et FED en bleu sont opposés par le sommet. Et lorsqu'ils sont opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Donc nous devons avoir bien distinctement deux droites séquentant un point. Donc ici et là, nous avons deux angles qui sont opposés par le sommet et qui sont donc égaux. Nous allons voir à l'aide d'une petite animation des différents angles opposés par le sommet qui sont sur cette figure. Donc là, nous voyons en bleu, maintenant en vert, les angles. Alors on va marquer une petite pause pour bien voir de quoi l'on parle. Donc ici, nous avons l'angle AEG en vert et l'angle BEF en vert également, qui sont opposés par le sommet et donc qui ont la même mesure. Voilà, nous revoyons les angles bleus que nous avons vus au début. Nous allons revoir les angles verts dont nous venons de parler. Puis nous allons voir les angles rouges AEC et BED qui sont opposés par le sommet. Vous connaissez maintenant les angles opposés par le sommet.